Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars! Bienvenue les rois et les reines, je suis ravie de partager avec vous cette bulle de bonne humeur. Comment chanter ensemble dans un chœur, dans une chorale? J'ai donné ce week-end un petit concert dans une église après avoir chanté dans un mariage et parfois je ressentais que dans ma propre chorale, il y avait une difficulté à se retrouver ensemble. Les choristes oublient que le rendez-vous pour qu'on soit ensemble, c'est le rythme. Donc, dans la chaîne Vocaligra, il y a des tas d'exercices pour le rythme. Mais pour pouvoir être ensemble, il faut les pratiquer. Parce qu'il y a tellement de choristes qui attendent que l'autre démarre pour démarrer, que ça fait « oh, 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 oh », que les chants sont pleins d'écho. Ce qui fait que, par exemple, moi qui ai une chorale gospel, c'est jamais en rythme. Il y en a toujours un qui fait « oh, 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 oh », et à la fin, on entend « oh, happy day ». Non, « oh, happy day », tout le monde ensemble. Et vous voyez le « de « day ». C'est l'endroit où on se donne rendez-vous pour être en rythme. Les consonnes sont le rendez-vous du rythme. Donc là, petit exercice justement sur Happy Day. Je vais vous donner trois voix et vous allez vous amuser. Les basses, vous faites oh Happy Day, oh Happy Day. À vous. Oh Happy Day. Sur le temps 4. 1, 2, 3, 4. Oh, happy day. Ah, maintenant il est temps 1, pardon. Oh, happy day. C'est juste avant le 1. Donc il faut vraiment qu'on se donne rendez-vous au même endroit. Donc ça, c'est pour les basses. Les mezzo. Soliste qui rentre. Mais vous voyez, il faut vraiment que ce soit carré. Donc, amusez-vous à faire une voix après l'autre. Et là, si vous êtes soprane, sur tout l'exercice que je viens de vous donner, vous chantez seulement. Si vous êtes ténor ou mezzo, vous chantez. Ça en rythme sans faire oh happy day, vous pourrez rentrer dans une chorale gospel ou dans n'importe quelle chorale sans faire est-ce qu'il a démarré, est-ce que c'est à moi de démarrer. Pensez rythme, et le rythme c'est l'endroit où tombe la consonne sur un temps exact, pas avant, pas après. Donc
là, je m'énerve parce que je me suis énervé sur mes choristes. Mais faites des exercices de rythme, sinon on peut pas chanter ensemble. À bientôt les rois et les reines, faites vos exercices de rythme et amusez-vous surtout. Boucalégra, boucalégra, boucalégra.